Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Oh, regardez ce qu'on a là. Wow, c'est un camion à glace. Et aujourd'hui, nous allons étudier les camions à glace. Wow! Trop bon! Ouh! Bien, maintenant, étudions la partie extérieure de ce camion à glace. Wow! Toutes ces couleurs! Ouh! Et regardez, il y a des glaces juste ici. Nous avons Charlotte aux fraises, on a le sandwich crème glacée, voilà le cornetto, et ici, le bâtonnet rouge, blanc, bleu, glacé. Oh, regardez ça! Trop cool! Des jantes roses! Ainsi, le camion à glace peut faire son petit tour dans les rues. C'est magnifique! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça dit « Enfant, ralentissez, s'il vous plaît. » On dirait qu'il y a des lumières. Laissez-moi vous montrer. Wow! Bien! Vous voyez ce bouton rouge? Il faut le tirer et regarder ce qui se passe. Wow! Des flashs de lumière orange! Et le panneau sort sur le côté du camion à glace. Un signe pour nous dire de ne pas passer trop près du camion à glace. Ou au moins, de faire attention pour éviter de se faire mal. Donc, laissons-le comme ça pour l'instant. Oh! Laissez-moi vous montrer autre chose. Oh, vous voyez ça? Ça, c'est un interrupteur. Pour la musique! Vous entendez cette musique? Ça veut dire que le camion à glace arrive. Comme ça, vous pouvez acheter des glaces. Oh! Et regardez par ici! Les réseaux sociaux où l'on retrouve ce camion à glace à Las Vegas, dans le Nevada. Trop mignon! Oh! Et regardez ici! Regardez ce large choix de glace que nous avons. Wow! Celui-là est rouge, orange, vert. Oh! Et regardez celui-là! Une de mes couleurs favorites. Orange! Miam! Oh! Une tortue ninja! Oh! Bob l'éponge carrée! Et voyons ici... Vous vous souvenez d'elle? Ouais! Elle est aussi de l'autre côté! C'est Charlotte aux fraises! Miam! Oh! Regardez ça! C'est la fenêtre vers laquelle vous vous dirigez! Et c'est par là que vous commandez votre glace! Oh! Hello! Y a quelqu'un? Attendez une seconde. Personne dedans? Oh, j'ai une idée! Et si vous et moi, on allait à l'intérieur pour servir aux gens quelques glaces? Allez, viens! Oh! Wow! Très bien! Alors, rentrons par derrière pour servir des glaces. Mais d'abord, on doit allumer le groupe électrogène. Il sert à alimenter le congélateur. On va l'allumer. Wow! C'est comme un petit moteur qui génère du courant pour que le congélateur reste bien froid. Mais il est déjà bien froid, alors on peut l'arrêter. Bien, montons par l'arrière et allons servir des glaces. Wow! L'intérieur d'un camion à glace! Oui! Trop génial! Wow! C'est là que le chauffeur du camion à glace s'assoit.
c'est comme un autre véhicule. Un volant, un levier de vitesse, un trousseau de clés. Bon, on n'est pas là pour conduire, on est là pour les glaces. Waouh ! Ce gros truc juste ici, c'est le congélateur. Ouvrons-le. Waouh ! Regardez toutes ces glaces. Bien, nous allons prendre 5 sachets de glace. Prêt ? Bien. Ok, en voilà une. Une. Deux. Une autre. Trois. Juste là. Quatre. Bien. Voyons voir. Et voilà. Bien. Cinq. Bien. Cinq. Refermons ça pour les garder bien au frais. Donc, nous en avons bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sachets de glace. Mais maintenant, il nous faut 3 petits encas. Ok. Pourquoi pas des pop-corn. 1. Pourquoi pas, disons, des chips. 2 encas. Quoi d'autre? Oh, miam! Bien. 3. 3 encas. Alors, on a 5 sachets de glace et 3 encas. 5 plus 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miam! Bien. Maintenant, il nous faut prévenir tout le monde sur Twitter et Instagram que nous sommes là. Bien. Ok, on a des glaces ici. Faisons-les passer. Bien. D'abord, on a Barba Papa. Qui veut Barba Papa? Oh, miam! Et voilà! Qu'est-ce qu'on dit? Merci! Avec plaisir! Ok, nous avons un sandwich crème glacée. C'est moi! Miam! Merci! Je vous en prie! Et une Hello Kitty! Merci! Ouais, avec plaisir! Bien! Régalez-vous bien! Bye! Merci! Bye! C'était méga fun d'apprendre tout sur les camions à glace avec vous. Bien, c'est le moment parfait pour la fameuse chanson des glaces. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace avec des belles fraises. De la crème et des bananas split. Faisons une glace avec des belles fraises. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une bonne glace au chocolat. Avec des bonnes cerises chaudes dessus. Faisons une bonne glace au chocolat. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons de la glace de verre en bonbon. Des verres gluants verts et rouges et jaunes. Faisons de la glace de verre en bonbon. Glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Miam! Ouh!
Regardez ce que j'ai. C'est de la pâte foam clay. Et je fais comme si c'était une glace. Mais c'est en fait un jouet. Alors, fais en sorte de ne pas la manger. Bien, voyez? C'est comme une glace à la vanille. Miam. Et ça? C'est comme la glace au chocolat. Oh! Regardez, on a des ingrédients. Oh, comme ça? Ouais, du sirop de fraise. Ok. On retire le bouchon et on y va! Miam! Oh, et regardez celui-là! C'est comme un sirop de chocolat. Wow! Oh! On en met encore un peu là. Bien. Bien, ça a l'air bon. Et ce que l'on peut mettre sur la glace au chocolat, c'est un peu de crème chantilly. Bien. Et voilà. Oh, ça m'a l'air super bon. Oh, regardez ce qu'on a par ici. Encore un peu de pâte foam clay. Je pense que ça mérite une cerise sur le dessus. Ok, on en prend un petit bout et on le pétrit. Tic, tchac, tic, tchac, tic. On en fait une boule. Oh, ça ressemble à une jolie cerise. Faisons un petit creux sur le dessus. Ouais. Bien, posons-le là, juste sur la glace au chocolat. Miam. Oh, ça a l'air bon. Mais comme j'ai dit, ne la mangez surtout pas. Et celle-là, apparemment, on a du bleu et du orange. Bleu et orange, mes deux couleurs favorites. Faisons des petits bonbons serpents. Bien, prenons la moitié de ça, orange. On le roule. Ouh. Regardez ça. Un bonbon serpent orange. Un bonbon serpent orange. Et puis, on prend le bleu. Et on va faire un autre bonbon serpent. Et on va le mettre ici. Bien. On le roule. Ouh. Regardez ce bonbon serpent. Posons-le juste là. Et voilà, voilà, qui ressemble à deux très belles fausses glaces. Miaou. Eh bien, voici la fin de cette vidéo. C'était super méga fun d'apprendre autant de choses sur les camions à glace avec vous. Et d'écouter, de danser et de chanter la fameuse chanson des glaces. Bien, si vous voulez voir mes autres vidéos, vous n'avez qu'à chercher mon nom. Voulez-vous épeler mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Blippi, apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey! Regardez ce que j'ai! Wow! J'ai des sacs de jouets de plage! Et aujourd'hui, nous allons jouer dans le sable! Wow! Wow! Ok, mais tout d'abord, on enlève nos chaussures. La raison pour laquelle j'enlève mes chaussures... Oh! C'est parce que le sable est trop agréable pour mes pieds. Wow! Ok, maintenant, une autre chaussure. Ok, je laisse mes chaussures juste ici. Et je prends les sacs. Et allons jouer dans le sable. J'ai tellement hâte de vous montrer tous les jouets de plage que j'ai. Oh, est-ce que c'est un bon endroit? Je pense que oui. Ok, regardez. Ah, comme je le disais, c'est trop agréable pour mes pieds. Ok, alors j'ai un sac, deux sacs et trois sacs. Ok, regardons ce qu'il y a dedans.
Dans le premier sac, un jouet vert et bleu. On va jouer avec dans un tout petit instant. Et puis... Wow! Il y a tellement d'autres jouets dans celui-là. On a une pelle et... Ce jouet. Regardez, un petit bateau. Et... Encore un autre jouet. Très bien. Ok, alors... Voyons ce qu'il y a dans le deuxième sac. Wow! Dans le sac numéro 2, on a... un énorme camion à benne. Wow! Ce camion à benne est de couleur rouge, jaune et orange. Ok. On va mettre un peu de sable dans la benne. Juste comme ça. Mettez-en beaucoup plus. Ok. Et... encore d'autres jouets. Il y a un rouge et un rose. Et même un minuscule, regarde! C'est rigolo. Une petite pelle. Regardez la petite pelle orange. Ok. Et le dernier sac contient... Oh, je suis trop excité de voir ce qu'il y a dedans. Ce sac contient... Wow! Un avion! Wow! Et... un seau jaune. Avec une pelle rouge. Et d'autres jouets. Ok. Oh! Ok, je pense qu'on va prendre le camion Ben. Venez par là! Venez! Ok, mettons le camion Ben ici. Ok, et j'ai besoin d'une pelle, venez. Oh. Ok, est-ce qu'on doit utiliser cette grosse pelle? Ou bien... cette petite pelle orange? Utilisons la pelle orange. Car c'est la couleur de mes bretelles. Et de mon nœud papillon, venez. Le sable chaud est trop agréable sur mes mains. En gros plan, regardez ça. Wow! Wow! Mes mains et mes pieds. Oh, c'est trop bien! Wow! Ok, maintenant, mettons une grosse pelle dans la benne du camion. Vous voyez? Ok, on les compte ensemble. On vide le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une. 11. Ouais. Regardez ça. C'est lourd. Wow. Regardez ce géant. Oh. Oh, faisons le rouler ensemble. Vous êtes prêts? De ce côté. Oh, et pourquoi pas là? Ok, juste ici. Prêt? Bip, 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 bip. Ouais, c'est génial! Allons chercher d'autres jouets. Venez par là. Ok, regardez tous ces jouets. Voyons ces autres jouets. Waouh! Regardez celui-là. Waouh! Comme je le disais, ce jouet est de couleur bleu et vert. Ok. Regardez. Oh! Je pense que ça va sur le dessus. Puis, on met du sable par le haut. Venez! Mettons-le juste là. À la place de la pelle. Ok.
Il faudra sûrement faire un gros plan de ça plus tard. Mais pour l'instant, allons chercher la grosse pelle, d'accord? La pelle? Ouais! Ok, venez par ici. Ok, toi tu vas là. Venez par ici les jouets. La pelle ouvre la voie. Là, ce sont les sacs de tout à l'heure. Ok, on consolide le tout. Ok, bien. Maintenant, j'ai la pelle. Ok, alors... voilà, une pelle de sable. Regardez ça. Wow. Wow. Vous voulez encore voir ça? Wow. Ok, on en verse un peu là-dedans. Et vous pourrez faire un gros plan. Prêt? Wow! Wow, vous avez vu? Encore une fois. Oh! On secoue, on secoue. Oh, allez! Tu peux y aller. Oh! Il faut du sable plus sec. Ok, on y va. Wow! Vous avez vu comme ça tournait vite? Maintenant, je vais aller prendre un seau et je vais le remplir d'eau. Et on recommencera avec de l'eau. Regardez! Oh, regardez! On est arrivé près de l'eau. Mais je n'ai pas mon maillot de bain. Alors, je vais retrousser mon pantalon pour ne pas le mouiller. Je vais juste le rouler un peu. Comme ça, ok? Et ce côté aussi. Ok. Je suis prêt à récupérer un peu d'eau. Allons-y! Waouh! Je me prépare pour la vague et je remplirai le seau d'eau. Waouh! En voilà une grosse! Il est rempli d'eau! Regardez! Wow! Regardez! Oui! Il ne faut pas la gaspiller! On va la mettre dans le jouet, venez! Ok! Maintenant qu'on a rempli le seau d'eau, j'ai bien envie de voir ce que ça fait quand on le verse là-dedans. Ok, rappelez-vous comme ça tournait. Avec le sable dedans. Oui! Voyons voir ce que ça donne en versant l'eau qu'on a pris dans l'océan ici. Est-ce que ça tourne? Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez bien? Ouais? Ok. Allons-y. Wow! Ça marche! Oh, ok, j'aide un peu celle-là. Ok, prêt. Ok, c'est parti. Ouais! Oh, ouais! Ça marche! Waouh! C'était super fun de s'amuser sur la plage avec tous ces jouets et vous! Voilà, si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous savez comment faire. Eh oui, vous n'avez qu'à chercher mon nom. Vous savez comment épeler mon nom. Oui, épelons-le ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi, ouais, c'est... Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Regardez où je suis. Je suis dans un supermarché. Mais regardez ce qu'il y a là. Une délicieuse pomme. Je me demande comment elle est venue jusqu'ici. Des pommes! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes. D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite. Comme celle-là. Celle-là, elle est vraiment bonne. Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes. Essayons de trouver une pomme ensemble. Vous voyez une pomme? Oh,
J'en vois une. Oui, regardez. Oh, oh, miam. Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme. Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs. Et quand le bac est plein, un tracteur le récupère et l'emmène. Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées et que tous les bacs sont bien remplis, il faut tout transporter jusqu'au camion. Wow! Quatre énormes bacs pleins de pommes et un tracteur rouge. Ok, les pommes sont bien là, près du semi-remorque. Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque avec un transpalette. Les bacs sont chargés à l'arrière du camion. Alors, c'est parti! C'est parti pour l'usine. Nous sommes arrivés à l'usine. À présent, il nous faut prendre un transpalette afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion. Maintenant, il est temps de laver et emballer toutes les pommes. Regardez, des pommes vertes. Maintenant, il faut vider les bacs de pommes afin de les nettoyer avant de les emballer. Les pommes commencent leur parcours en flottant, alors que les bacs continuent d'être vidés. Regardez, les bacs sont vides. Wow, ça fait beaucoup de pommes qui flottent. Ensuite, elles sont sorties de l'eau pour être frottées. Belles et propres, elles sont super brillantes. Regardez toutes ces brosses. Ces pommes ont l'air de bien s'amuser. Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau. Belles et propres. Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs. Lorsque les pommes sont bien sèches, elles sont triées. Elles sont triées en deux catégories. Celles qui ont l'air bonnes à manger, et celles qui n'ont pas l'air bonnes à manger. Hey, vous vous souvenez de celles qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger? Ouais, elles sont là. Elles remontent sur des tapis roulants en escalier. Et après, elles se retrouvent en bas sur des tapis roulants spéciaux pour pommes déclassées. Continuent leur chemin pour faire de bonnes tartes aux pommes. Mais ce n'est pas encore terminé. Sur toutes les bonnes pommes, on colle une étiquette avec ce type de machine. Et
fois que chaque pomme a sa propre étiquette, on la met sur ce que j'aime appeler un lit de pommes. Et puis, à l'étape suivante, ces lits de pommes sont placés dans des cartons. Ou bien dans des sacs plastiques. Oh ! On dirait que quelques-uns de ces cartons ont besoin d'être fermés. Sont bien propres et emballées, il faut les stocker dans un énorme réfrigérateur et attendre le camion. Nous sommes dans le réfrigérateur à présent. Il fait très très froid à l'intérieur. C'est là que toutes les pommes sont stockées. Wow! Regardez le nombre de pommes qu'il y a! C'est un énorme entrepôt de stockage! Youpi! Le semi-remorque recule vers le quai de l'entrepôt pour charger toutes les pommes fraîches. Ces pommes sont bientôt prêtes à être mangées. Elles sont en train d'être chargées à l'arrière d'un semi-remorque. Waouh ! Bien le transpalette ! Encore quelques pommes. Maintenant que le semi-remorque est rempli de pommes, il va pouvoir livrer les supermarchés. Ouh ! C'était super fun de comprendre comment les pommes arrivent dans les supermarchés avec vous. Et rappelez-vous, une pomme par journée préserve la santé. Les amis, apprendre c'est génial. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.